Et bonjour, bonjour, et nous nous retrouvons pour une nouvelle partie sur Burnout Revenge pour le championnat zone 9. Donc, la dernière fois, on avait gagné cette voiture, enfin, j'avais gagné cette voiture. Alors, on va commencer l'entrée de jeu. Bon, j'ai fait pas mal de hors caméra. Y a rien à faire, j'arrive pas à la gagner pour l'instant, les deux là. Mais par chance, j'ai regardé par rapport à la première carrière que j'avais faite, on ne gagne pas de voiture vraiment. Et puis si jamais je les ai pas toutes, quand j'aurai fini le jeu, je vous les montrerai de toute façon, donc ça changera rien. Voilà. Bon, bah le championnat, hein, c'est terminé le plus en possible premier. D'ailleurs, il y a une Formule 1 spéciale derrière, là, je viens de voir. Là-bas, ils viennent de rentrer dedans. Alors, elle est un peu capricieuse cette voiture, elle a tendance à partir dans le décor un peu facilement. Par contre, elle a un avantage, c'est qu'elle elle peut facilement envoyer les adversaires dans le décor si vous leur sentez dessus. Parce qu'elle a un crash breaker de niveau 6. Et pour les explosions aussi, c'est un peu plus puissant, on va dire. Là, il y a un raccourci. Ah, il a pas aimé la Formule 1, je sais pas si ça se verra sur la caméra, mais il a pas mal zigzagué. Ah, c'est pas grave. Voilà, ça fera l'affaire. C'est pas grave, c'est pas grave. Revenge Racer ou un truc dans le genre, moins devant parce que pour que j'ai du mal à la rattraper comme ça, c'est bizarre. Ouais, bah bon, la Formule 1 m'a percuté, c'est elle qui est partie dans le décor. Aperçu le premier. J'ai pas vraiment vu c'était quoi comme voiture. Wow. Quand même pas dire les courses time attack, ça va être pas mal, hein, pour la précision dans les virages. Même si dans Burnout Revenge, la précision, on s'en fiche pas mal. What?
Ah bah d'accord. Sérieusement? Ah ça c'est con par contre. J'ai quand même du bol parce que pour réussir à gagner alors que je me suis crashé juste avant la fin, je dis ça, je dis rien. Par contre, je suis déçu parce que normalement le crash breaker augmente le rayon d'explosion. Niveau 6, alors logiquement ça devrait faire un peu mal quand même. Mais non. Et en plus j'avais le boost x4 donc voilà. Ah bon, celui-là il est marrant. Cette zone elle est marrante. Il y a plein de tremplins de partout. Bon bah lui il s'est craché comme un abruti. Et hop, c'est parti. Wow. Thank you.
Je sais pas combien de secondes s'est passé, mais c'était proche. Avec agressivité pour gagner du boost. Je sais pas si ça va être sur. Bah non, ça peut pas être deux fois au même endroit. Ouais, elle peut être compliquée celle-là. Elle peut. Sauf si la voiture est stable, ça devrait aller. Sinon. Alors là, ça va être un massacre. La voiture est buggée. Il y en a aucun qui prend raccourci. Quelle bande de trouillards. J'en ai pas eu un au passage. On va essayer. Ah, presque. C'est une explosion revenge. En gros, c'est vous éliminer tous les adversaires en explosant. Et ben voilà. On s'en fout. Ta-da-da-da.
Ok, bon bah. Je suis pas sûr, mais il me semble que c'est pas sa version finale. Ouais. Ah, vous voyez, j'ai pas pu faire mieux que ça. Je les montre quand même parce que bon. Voilà. Bon, on va se faire une petite course en niveau 10. Road rage, j'attends. Panique dans le trafic. Je préfère faire le road rage. Il est pas mal en blanche aussi. On va la mettre verte. Je crois que je l'ai jamais conduit celle-ci. On va l'utiliser. Et normalement, si je me trompe pas, on devrait gagner 2 à 1 voiture. Une voiture, ça c'est quasiment sûr. Quasiment. Je crois que c'est même une Formule 1. On la gagne qu'au niveau 10. Ah ouais, 21 quand même. Bon. Ça se fait, ça. Faut juste prendre le temps, en fait. Une fois, je veux bien, deux fois, bon, hein. Si vous crachez lorsque vous êtes victime d'un takedown, vous perdez un morceau de votre barre de boost. Sauf si vous les explosez. Badabadadadadada. Au moins j'arrive à en cracher un dès le début. Voilà. Ah, il y a trop de voitures, je peux pas passer au travers. Voilà. En fait, c'est pas du tout une bonne voiture pour ça. Hein. Oula. Ah. Takedown signature. Je suis obligé de garder la course. Bon. Oh. 380. J'ai au moins de bronze. Thank you.
Bon, c'est pas grave. On la refera une prochaine fois. Nouvelle épreuve débloquée. J'ai pas débloqué de voiture, c'est pas normal. Je suis censé gagner une voiture normalement. Je suis en train de dire 2 secondes. Juste classement super, c'est tout. Vous savez quoi? J'ai envie de faire durer un peu plus la vidéo. Bon, celle-ci, il la bouge pas, hein, cette voiture. Hein, c'est simple. Prendre ma voiture préférée. Tant qu'à faire. Quoique la voiture moyenne aurait été peut-être mieux, parce que ça évite bien qu'il vous pousse là où vous voulez pas. Par contre, vous, dès que vous le rentrez dedans, bon bah là. Mais j'aurais pu avoir l'or, hein. Je pense que j'aurais pu avoir l'or. C'est juste le début là, vers l'autoroute où c'est un peu tendu. Le gars m'a foncé dans le derrière, j'ai pas pu tourner. Là. Saloperie. Je l'ai pas eu alors que pourtant je l'ai envoyé dans le décor. Dégâts critiques? Voilà, j'en étais sûr. Terminer sur une course en or, quoi. Parce que bon,
savez quoi? Je vais y faire en plusieurs parties à la rigueur. Vous inquiétez pas, les courses de crash vont arriver parce que je comptais y faire tout de suite derrière. Mais dans une autre vidéo. On va voir si ça change quelque chose avec celle-ci. On va voir si j'arrive à la pousser celle-là. Me pousser là, c'est moi qui les pousse. Ok. Comment ils peuvent réussir à me foutre dans le mur? Je tourne à plein pot. Oh bah non, ça c'est de la vie par contre. Alors, j'ai l'avantage que la voiture est plus solide, donc... dégâts critiques, voilà. Dégage. Non. Voilà, je suis satisfait. Elle est peut-être pas très rapide cette voiture. Bon, une fois lancée, c'est bon. Mais
Elle est vraiment faite pour ça. Ah. Bon, bah j'ai toujours pas gagné la Formule 1. Hein. Et ben, ce que je vais faire, c'est de arrêter la vidéo ici. Et je reprends tout de suite après pour les zones de crash. Allez, sur ce, à la prochaine.